La réaction du match, en première mi-temps, on a été très efficaces parce qu'ils sont mieux rentrés dans le match que nous. Et notre première occasion, on l'a mise au fond, ça nous a fait du bien. Puis après, il y a le fait de jeu, l'expulsion qui nous aide, bien sûr. Mais en deuxième mi-temps, on a été, je trouve, un peu facile, mais c'est normal quand on mène 3-0. Et je pense qu'on aurait pu mieux gérer la deuxième mi-temps par rapport au surnombre et par rapport aux occasions que l'on avait. Et je pense que l'étincelle méritait de nous mettre un but parce qu'ils ont fait une deuxième mi-temps courageuse. La défense a changé parce qu'en fait, Sinoussou est malade. Il avait la diarrhée. Il a attrapé quelque chose, donc il fallait changer. Et puis, Fitina avait deux cartons, donc on ne voulait pas qu'il prenne un troisième carton pour être suspendu au prochain match. Donc voilà pourquoi on a fait les changements. Il n'y a pas que la défense. Je crois que globalement, en deuxième mi-temps, on a été un peu trop facile. Et encore une fois, Étincelle a été courageux. Ils nous ont posé des problèmes alors qu'ils étaient un de moins. Je pense qu'on aurait pu les contrer plus parce qu'ils investissaient beaucoup de joueurs offensivement. Mais voilà, c'est comme ça. Et on a encore du progrès à faire. Gilbert ? Gilbert a fait son match. Voilà. Moi, je regarde plus l'ensemble qu'un individu. Mais vous êtes son frère, non ? Vous êtes de la famille, non ? En deuxième mi-temps, je trouve que vous avez raison. On aurait pu en mettre surtout en contre. La justesse technique. Le terrain n'est pas facile, mais il n'est pas facile pour tout le monde. Et je pense qu'il y a certainement eu un peu de décompression, mais c'est dommage. Ça veut dire que c'est notre axe de travail. Moi, j'avais fixé comme objectif de ne pas prendre de but et de marquer en deuxième mi-temps. On n'a pas pris de but parce qu'on a eu quand même pas mal de réussites. Ça fait partie du jeu. Et pour marquer, je pense qu'on aurait dû être beaucoup plus précis et peut-être avoir plus envie de marquer. Oh, Chaïboub revient tout doucement, il s'entraîne tout seul. Il a été vraiment touché par sa maladie. Et il va revenir, mais il a perdu beaucoup de poids et on fait attention parce qu'il a un corps affaibli et il reprend tout doucement. Tous les matchs, on va d'abord récupérer et après analyser ce que l'on a fait cet après-midi. Mais je pense qu'il faut se préparer comme tous les matchs, avoir envie de changer les choses. Parce que c'est vrai que si on regarde les statistiques, je pense que les derniers matchs, Réan Sport nous a battus souvent. Peut-être trop souvent, donc à nous de faire les efforts. Et on sait qu'ils vont être hyper motivés, ils vont nous mettre en difficulté. Et à nous d'être conquérants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous.